Salut à tous. Alors, je vais vous proposer un petit voyage. Un voyage à l'intérieur de soi. Alors pour ça, vous pouvez mettre la vidéo en pause et tranquillement vous installer dans un endroit qui vous convient. La vidéo restera en ligne, donc vous pourrez la relire. Il s'agit d'une méditation pour instaurer la tranquillité à l'intérieur et retrouver toutes ses facultés. Alors, si tu es prêt, je te propose simplement de prendre trois grandes respirations. À chaque inspiration, se nourrir et à chaque expiration, relâcher. Ressentir tous les courants, toutes les sensations qui peuvent parcourir le corps posé sur son support. On peut se laisser aller à penser comme un voyage, comme si notre œil pouvait voir tout au loin la planète sur laquelle nous sommes. La regarder comme si on était par exemple sur cette pleine lune qui vient d'avoir lieu et se rapprocher pour focaliser petit à petit, voir peut-être la tache bleue de l'océan qui prédomine et petit à petit les continents qui apparaissent comme si on s'approchait de la Terre simplement. Comme si par exemple on venait depuis la nuit de regarder toutes ces lumières, comme on le sait, on a tous vu ces lumières des villes, et petit à petit focaliser sur toutes ces formes de vie et s'approcher peut-être de ta propre région, puis tranquillement de ta propre ville. De voir, d'imaginer toutes ces vies autour, tous ces mouvements des uns des autres, des destinations vers lesquelles nous allons, chacun avec ses propres préoccupations, et petit à petit se rapprocher de soi, comme si on pouvait regarder à l'intérieur et depuis le début de sa vie, dessiner comme une ligne jusqu'au temps présent qui peut revêtir la forme que tu le souhaites. Et te remémorer un souvenir. Un souvenir joyeux dans lequel tu t'es senti à l'intérieur de ta vie, au plus fort de ta personne, au plus fort de ce que tu as pu vivre. Alors tu laisses aller tranquillement dans ton corps pour découvrir toutes les sensations qui peuvent naître. Tout ce confort qui réapparaît, comme si tu pouvais lire entre les yeux le mot bonheur. Et tu vas par exemple rejoindre ton pouce gauche avec ton index gauche pour ancrer cet instant en toi, cet instant de ta vie, au moment où tu lui as dit oui, au moment où tu as ressenti toutes tes facultés, tout ton potentiel pour pouvoir grandir. Alors tu serres bien tes doigts et
Lorsque tu en auras besoin, tu pourras utiliser ce geste pour franchir des nouvelles étapes qui vont se présenter. Comme tu le sais, nous sommes tous les uns à côté des autres. Et il y a toujours quelqu'un à qui l'on peut demander. Alors tu peux regarder en cœur de ta vie, de tes instants, vers les personnes que tu côtoies, tes proches, ceux simplement à qui tu sers la main, tout cet échange qui se passe entre les uns, les autres. Tu peux te mettre à avancer simplement, plus sereinement sur le chemin, avec simplement cette nouvelle faculté, ce nouvel outil en toi, qui est présent depuis le plus jeune âge. Comme tu le sais, dans l'enfance, lorsque tu as appris à marcher, tu es tombé maintes et maintes fois, jusqu'à ce que tu apprennes à te relever et à maintenir cet équilibre. Alors, nous sommes souvent heureux lorsque quelqu'un vient nous vient en aide, ou simplement lorsque l'on vient lui apporter son soutien. Nous sommes là pour cette grande idée du partage, celle qui fait de nous des humains conscients de tout ce que nous avons envie de vivre les uns avec les autres. Et tu peux te remémorer peut-être cette image de l'arc-en-ciel, comme il m'est apparu il y a quelques jours, après l'avoir dessiné, je suis sorti dehors et dans ma voiture, j'ai vu un arc-en-ciel entier qui couvrait tout ce demi-cercle d'horizon. Je me demandais où il commençait, où il finissait. À partir de quel endroit, si l'on pouvait simplement l'attraper, s'y inclure et retrouver toutes ses couleurs, se laisser absorber par toute l'énergie lumineuse. Et je me demandais si, en tout point, on pouvait l'observer. À quelle distance se situait-il? Pouvait-on réellement l'évaluer? Et tous ces cercles autour de nous, les cercles qui nous permettent de nous rejoindre, et peut-être aussi de descendre à un niveau plus profond à l'intérieur de soi. Toutes ces cellules qui nous composent, tous ces mouvements et toute cette machine humaine bien présente, toujours. Tous ces mouvements à la fois biologiques et chimiques qui font de nous cet être présent, ici, à cet instant et partout. Alors je vais te proposer de, en te remémorant toutes ces couleurs, de t'en imprégner comme tes propres couleurs, comme ta propre pensée, comme ton mouvement et ton chemin de vie. Celui que tu as fait depuis le début et celui qui te construit.
je te propose de te regarder avancer vers le chemin que tu choisis, celui simplement qui te correspond, au plus profond, comme un voyage à travers le temps. Tu sais dorénavant que chaque instant présent t'appartient et tu peux avancer plus légèrement. Alors je vais te proposer de remonter tranquillement dans l'endroit où tu te situes. On a envie parfois de s'étirer pour reprendre pied. Et tu peux à nouveau, à ton rythme, tranquillement, ouvrir les yeux et regarder à nouveau cette œuvre. Peut-être que tu vas la voir différemment. J'espère que cet instant t'a apporté beaucoup de confort et qu'il va s'installer à l'intérieur de toi, simplement, en tant qu'humain. Car moi, je sais que tout au fond, il m'a fait beaucoup de bien. Il est aussi une autre manière de se rencontrer les uns à côté des autres. Voilà, je vous remercie. C'était un petit voyage que j'avais envie d'offrir comme ça. Et merci pour votre soutien parce que voilà, ça me tient chaud au cœur. Allez, salut, merci.